Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment figer une ligne ou une colonne dans Google Sheets. Donc, par exemple, si j'aimerais figer ma ligne 1, qui est l'en-tête de mes colonnes, donc je vais aller dans « Afficher » ici, « Figer » et je vais sélectionner ce que je désire faire. Donc, ici, je vais figer une ligne, tout simplement, et on voit qu'il y a une barre grise qui vient d'apparaître tout le long, ici, de l'écran. Donc, si je me déplace, là, on voit que la ligne va à l'infini comme ça. Ça fait que si je descends, vous voyez dans le fichier, cette ligne reste figée. Je vais faire la même chose maintenant pour la colonne. Donc, j'aimerais figer la colonne qui est ici. Donc, je vais aller encore là dans Afficher, Figer. Et ici, je vais choisir une colonne. On voit ici la ligne grise qui indique que cette colonne est figée. Si je me déplace par là, on voit que ça reste figé ici, cette colonne-là, quand je me déplace de façon horizontale et que ma ligne, lorsque je me déplace de façon verticale, elle reste figée. Donc, c'est ce que je désire pour ce fichier-là, mais ça serait possible aussi de figer autrement. Donc, si je désire figer jusqu'à la colonne C, je peux simplement sélectionner ma barre grise ici et la déplacer jusqu'à la colonne C. Vous voyez, si je me déplace, mes trois premières colonnes sont maintenant figées. Il est également possible de déplacer la barre grise pour modifier le nombre de lignes qui seront gardées comme en tête. Donc voilà, c'était comment figer une ligne ou une colonne dans Google Sheets.